Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII Remake. On est avec Barrett toujours, on contrôle toujours Barrett alors que Claude est revenu. On est dans une sorte de labo de la Shinra sous ce qui reste du secteur 7. Voilà, donc on va voir un petit peu. J'ai cru voir qu'on avait eu une nouvelle... Des nouveaux gants pour Tifa. Ouais, des gants en mithril. M'ont donné sphère Quikong. Ok, on va mettre cela. Oui, on verra pour les matériaux juste après. J'ai juste amélioré l'arme. Attaque phase physique plus 7, et là on a. Compétence spéciale en début de combat. Donner un peu de résistance aux altérations d'état. Ok. Tac. Tac. Et juste regarder un petit peu ces matérias. Ah, c'est parce que j'ai pas encore récupéré Clad, c'est pour ça. Avec auto-soin. La glace. Et vol que j'utilise pas. Je vais plutôt mettre auto-soin ici. Chakra ici à la place de glace. Tape là, on a glace. Et du coup, est-ce que je peux mettre un truc avec glace, genre une affinité élémentaire par exemple? Ouais. Ok. Allez, c'est parti, du coup, on avance. Je te raterai pas! L'amener dans un endroit sûr. On verra plus tard pour le reste. Ouais, t'as raison. Maurice! Cloud! Oh.
Bien joué, toi. Ok. On va voir où est-ce qu'on va laisser Wedge. Pour ce qui est de Wedge, je compte sur vous. Moi, je vais attendre les autres ici. Wedge a survécu. Tout espoir n'est pas perdu. Quand j'étais en haut du pilier, j'ai vu Jesse et Biggs, tu sais. Ils étaient très salement touchés. Les chances qu'ils s'en sortent. Dis pas ça. Ils sont retournés à la planète. C'était pas là qu'ils devaient entrer. Si on continue pas, ils vont nous en vouloir, c'est sûr. Bon sang, mais qu'il est lourd. Allez, on a terminé du coup le chapitre 13, un cauchemar sans fin. Personne à qui demander. Ce serait inhumain de ma part de rejeter un blessé à la rue. Elmira, il est temps. Aerys a sûrement besoin de notre aide. Ne recommence pas avec ça. On a trouvé un laboratoire où ils font des expériences sur les humains. Je connais bien la Shinra et je sais de quoi je parle. J'ai du mal à imaginer qu'il relâcherait Aerys aussi facilement. Si elle est vraiment la seule survivante du peuple des anciens, elle est la cible du département scientifique. Et celui qu'il dirige, le professeur Ojo, est sans pitié envers ses cobayes. Ça suffit maintenant. Pourquoi ? J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Vous devez être fatigué, vous aussi. Allez, vous feriez mieux de dormir. Oh. Alors, on sait ce qu'il y a Aerys ici. On va aller voir dans son jardin. Hello, ok.
Comment t'as fait? Oh. C'est un rêve. Peut-être. Rien n'est sûr. Est-ce que ça va? Comme tu le vois. Tu sais, Cloud, quand j'étais petite, j'étais chez la Shinra. Elmira nous a raconté. Je vois. Du coup, en fait, c'est un peu comme si j'étais retournée dans ma maison d'enfance. En vérité, on y est plutôt bien. Oh. Ah oui, vraiment? Mieux qu'ici? Non, mais ça... T'es méchant. Elmira aussi s'inquiète pour toi. Aussi? Tout comme toi? Bah évidemment. Je voulais pas t'inquiéter. Désolée. Oh. Cette lueur. Tout le monde doit mourir un jour. Je sais bien. C'est pour ça que tant qu'on le peut, il faut profiter pleinement de chaque instant. Chaque minute, chaque petit moment de notre vie. Bonne philosophie. Faut qu'on profite de ce moment. C'est ça? J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Je garde au fond du cœur tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as fait, sans exception. Ça me touche plus que tu le crois. J'étais tellement contente d'être avec toi. Mais Cloud, s'il te plaît, ne tombe pas amoureux de moi. Même si tu y crois, ce n'est qu'une illusion. J'ai le droit de dire un truc au moins? C'est l'aube, déjà. Il faut que j'y aille. Je viens te chercher. Tu ne devrais pas. Mais merci. Oh. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. On vous doit une fière chandelle. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Je sais que vous en auriez fait autant pour moi. Elmira. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit. C'est comme si le destin m'appelait. Je dois y aller. On sait ce que vous ressentez, mais s'il vous plaît. On veut tous la sauver. On tient beaucoup à elle. Je le ressentais au fond de moi. Je savais que ce jour finirait bien par arriver. Et malgré tout... S'il vous plaît, allez libérer ma fille. Papa! Ma reine! Tu t'en vas? Désolé, ma chérie. Mais je suis obligé d'y aller. Je préférerais rester toujours avec toi. Pour de vrai.
Mais bon, je pourrais pas me battre du coup. Il y a plein de méchants. Ils veulent détruire la planète. Et tu vois, en fait, je dois me battre contre ces méchants. Protéger la planète et tous les gens du bidonville, c'est le travail de papa. Tu comprends? Je dois y aller. Tu te souviens de la dame qui t'a sauvé? Ben cette fois, c'est elle qui a besoin de notre aide. Comme on est bien élevé, on va bien la remercier, d'accord? Mais tu sais, quand j'ai vu cette dame... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu la sauves. Compte sur moi! Tu vas revenir? Pas vrai? Ouais, t'inquiète pas. Bon, je t'attends ici. Ça va aller? Ouais, elle comprend bien. Bon, on va se faire la tour Shinra. N'oublie pas pourquoi on y va. Je sais, c'est bon. Aerith sera avec nous en moins de deux. Alors... Mais... comment on va aller jusqu'en haut? Tout est arrêté et il n'y a plus de train. Alors, on n'a qu'à suivre la voie ferrée. On est dans une situation critique. Mieux vaut partir du principe que les voies habituelles sont bloquées. Alors comment on fait? Y a un autre chemin? Vous savez qui pourrait avoir ce genre d'informations? Don Corneo. Eh bah, direction le World Market. De leurs bombes. Et voilà le résultat. Le plateau s'est écroulé. Et en plus, il paraît qu'ils ont reçu énormément de fonds de la part du Wutai. Ils prétendent se battre contre la Shinra pour protéger la planète. Mais en fait, c'est des complices du Wutai. Non, même pas. C'est tout simplement leur larbin. Voilà la vérité. Je suis allée là-haut pour vous ramener les dernières nouvelles. Ce sera 5 guilds. Seulement 5 guilds. Non mais sérieux? On peut vraiment pas faire confiance aux Wutai. En fin de compte, ils sont jaloux de notre énergie, Mako. Ça va encore se terminer en guerre? C'est eux qui nous attaquent. Ils l'auront bien cherché. Alors, mes 5 guilds, les infos, c'est pas gratuit, vous savez. On n'est pas des complices du Wutai. Je peux fermer les yeux sur plein de choses, mais sur ça, pas question. Ça sert plus à rien de s'expliquer. Tu le sais. Plus personne nous écoutera maintenant. Désolée. Tifa. Hé, regarde-moi. Dans notre combat, on peut se permettre ni les remords ni les regrets. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est continuer d'aller de l'avant sans se retourner. Quoi qu'il se passe, on laissera pas notre flamme s'éteindre. Ouais. Par contre, pour l'instant, ne regarde pas seulement devant. Regarde autour de toi. Tu vois, ils ont peur. Alors, s'il te plaît,
Alors, le plateau du secteur 7 s'est effondré, causant de nombreux désagréments aux habitants des bidonvilles de Midgar. Partir immédiatement à l'assaut de la tour Shinra vous empêcherait de continuer votre travail de mercenaire. Faites d'une pierre deux coups, venez en aide aux habitants dans le besoin tout en cherchant un moyen de vous infiltrer dans le quartier général de votre ennemi. Il y a sans doute des gens dans le besoin. J'aimerais les aider autant que possible. Ok, donc on va faire un peu de mercenariat avant. Alors. Wow, 9 quêtes. Ok, on en a pour un petit moment du coup. Du secteur 7. Il ressemble à quoi, ce type d'avalanche? Les responsables de la cellule de... Mais où est-ce qu'ils ont bien? Ah, c'est toi, Cloud! Tu n'aurais pas vu Oates et les autres? Ils sont partis faire une patrouille, comme tous les jours. Pourtant, je leur avais bien dit de s'abstenir aujourd'hui. Si jamais vous voyez les enfants, vous pourriez leur dire de rentrer à l'orphelinat, s'il vous plaît. Je peux vous les décrire, si besoin. Ça devrait aller. Merci. Toi, il vaut mieux que tu restes ici. Au cas où les enfants rentreraient entre-temps. D'accord? D'accord. Je vais les attendre ici, alors. En tout cas, je compte sur vous pour les retrouver. Alors, on a les enfants disparus. Et on a... Hein? Hop là. Cloud! J'étais sûr que vous étiez sain et sauf. À nous de créer de nouvelles matérias pour surmonter ces temps difficiles que nous vivons. Non, t'as rien de nouveau. Et au niveau des missions VR, pour l'instant, t'en as pas de nouvelles non plus. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. Ok, le rapport de combat a été actualisé. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. Ok. Techniques ennemies. Ah, c'est le talent de l'ennemi. Ok, cool. On va le mettre à la place de voler pour... J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Il manque une matériel, tiens. Enfin, on va mettre talent de l'ennemi, en fait. Alors, est-ce que les enfants sont dans le coin ou est-ce qu'il faut que j'aille les chercher du coup? Je vois une autre quête qui apparaît par là. Qu'est-ce que je vais faire? Dis, toi! Mais oui, c'est bien toi le garde du corps d'Aerys! Où est Aerys? Je voulais lui demander de me trouver des herbes pour un médicament. Mais là, vous n'êtes pas ensemble? J'ai utilisé tous les médicaments que j'avais pour sauver les blessés après l'effondrement du plateau. Il en faut plus, mais il me manque les composants pour en fabriquer. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, tu acceptes de m'aider à trouver ce qu'il me faut? Dans ce cas, je m'en remets à toi au nom de tout ce secteur sinistré. Voilà, tout ce dont j'ai besoin est écrit là-dessus. Il y a celle-là. Il va falloir que je trouve les ingrédients, ça on verra après. J'aimerais bien avoir... Je vais aller faire du coup un tour, voir si les enfants sont partis faire leur... leur ronde dans le fond. Enfin, sachez que toutes les lignes de
Venez, regardez, Coupeau. Ok, j'ai une nouvelle ici, cool. Cette médaille mode. Ah, je vais avoir besoin de ça, je suppose. J'ai récupéré des pH, je vais rester un peu plus tard. Oui. Vas-y, continue. On va aller voir dans le fond si les enfants sont partis faire leur patrouille par là. Dans le pire, ça fera un peu de leveling. Ok, donc non, les enfants sont pas là et il n'y a pas d'ennemis, comme ça c'est réglé. Ok, du coup, je sais pas trop où vont être partis les enfants. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y en a une autre là. Oh, vous devez être Cloud. Vous tombez bien. Et oui, je vous connais. Sam, le patron, m'a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous êtes un ancien soldat devenu mercenaire. Justement, j'aurais un travail à vous confier. Pourriez-vous essayer de retrouver certains de nos chocobos portés disparus? Les pauvres. Ils se sont enfuis de l'étape Chocobo, affolés par l'effondrement du plateau. À l'heure qu'il est, je pense qu'ils doivent être affamés et totalement transis de peur. Oh, les pauvres. Je comprends bien ce que vous ressentez. C'est d'accord. On va s'en occuper. Merci mille fois. Lorsque vous les aurez trouvés, donnez-leur ceci à manger. En tout, il y a 3 Chocobos disparus. Coco, Lolo et Momo. Les 3 vont sans doute se calmer si vous leur donnez à manger ces légumes. Ensuite, il devrait rentrer d'eux-mêmes au bercail. Alors, vous pouvez désormais utiliser les carrosses Chocobo. Ils permettent de vous rendre rapidement à une destination de votre choix. Si vous trouvez les Chocobo à la recherche des Chocobo ensuite, le nombre de destinations disponibles augmentera. Vous pouvez consulter les horaires des carrosses en regardant les panneaux. Ok. Les chocobos, ça c'est pas trop un problème. Les trains sont à l'arrêt pour plusieurs jours.
Par contre, j'aurais dû enregistrer et pour voir, parce que là, je... un petit peu perdu, du coup. Alors, ça me fait 3 quêtes, hein, pour l'instant. Sauf que je sais toujours pas où sont les enfants. J'ai bien vu, j'ai un chocobo qui est parti un peu plus loin, dans le souterrain. Ah non, c'est un arrière chocobo ça. Ah oui, non, ok. Voilà, dans le tunnel, a priori au milieu du tunnel, il devrait y en avoir un de perdu, donc on va commencer par ça. Canon, on maîtrise, ok. Une arme de combat rapprochée, fixée au bras, avec laquelle est ajoutée une puissante cisaille mécanique. Bon, on va faire ça tant qu'on est. Mais j'aime moins. Mais on va essayer d'apprendre, d'apprendre ce truc. Je crois qu'il y a foudre et feu. Ah, de toute façon, je suis pas sûr de la garder cette arme là, ça me plaît moins. Mais bon, on va s'en équiper le temps de d'apprendre les choses. Tu m'en occupes vite fait. Garde ton sang-froid. Oh, my God.
Moi, c'est toi qui as soin. Qui est-ce qui a soin? Tifa, elle va y assez mal. Il n'y a pas de quoi être fier. Waouh! Ah, on a pris autodestruction. D'accord, super. La sphère Kyong. Déjà. Ça veut dire qu'on la maîtrise à fond. 100%. Ok, je pense que je vais reprendre par contre les gants à plumes qui avaient l'air d'être mieux. Enfin, qui avaient attaqué physiquement plus fort. Ma petite faille, il n'y a plus que Barrett qui doit finir d'apprendre. Pas encore dans le virage, hein. C'est pas nous faire chier. Vous êtes prévenus. Je m'en occupe. J'ai subi pire que ça. T'es là, toi, Joey. Ça va. Tu crois que ça ira? Viens. Allez pas m'énerver. Je suis prêt. Tu es pas du genre à abandonner. Voilà, là, là. Donne-moi ça. Viens, ça prendra. Tu te débrouilles vraiment bien. Ça t'embouche un coin. Ok. Je vais t'en mettre plein la vue. C'est dit. Prêt. J'arrive. Qu'est-ce que c'est dit? Attention, j'y vais. Viens, je m'apprends pas. J'ai même pas pensé. Voilà le premier chocobo. Garde ton sang froid. Attendez. Ça va faire mal.
Ils ont l'air d'être assez... hein. Des cadeaux. Je compte sur toi. Laisse-moi faire. Analyser, là j'ai un doute sur tout ce que j'ai. Ça va être comme ça là. Ça va te calmer. Avec grande résistance aux armes et à la magie, donc ça va être long en fait. Il a le parcut. Sur toi. Ouais, prends ça. Ça va faire mal.
Je compte sur toi. Ah, il a assez mal terre. Chocobo. Ok, maintenant on a accès au bidonville du secteur 6 Parc Vert, Wall Market et la route est fondée. Montée uniquement. Ok, bon, on va terminer le chemin par là, histoire de finir de vider le tunnel. Attendez, je crois que du coup, le barrette, je peux lui remettre son autre arme. Qui était mieux quand même. Enfin, que je préfère en tout cas. Ah oui, il y a une possibilité d'améliorer pour tout le monde, donc on va améliorer aussi.
Et attaque aérienne. Hop. Ok. Allez, on avance. Ok, on arrive du coup à nouveau au square. Bon, quand tout le monde sera prêt, on se met en route. Pas d'enfant là. Il y a une quête par contre à prendre ici. Tiens, Barrett. Weimar, tu vas bien? Pas trop mal. Actuellement, les miliciens se partagent la tâche de secourir les blessés du secteur. J'aimerais bien les aider moi aussi. Mais je dois régler un autre problème avant ça. Je parle de la fameuse rumeur. Eh bien, elle était fondée. Il y a effectivement des créatures qui sortent du site d'expérimentation souterrain de la Shinra. Cloud, je vais encore avoir besoin de toi. Tu voudrais bien me donner un coup de main? Il faudrait que tu descendes dans le site et que t'élimines les créatures qui s'y trouvent. C'est risqué, je sais bien. Mais je suis ton seul atout. En effet. À toi de jouer. Ok, bon. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller faire rugissement souterrain la prochaine fois. Ouais, on continue d'avancer tranquillement, hein, histoire de faire les quêtes. J'ai envie de faire toutes les quêtes secondaires, donc on va continuer de les faire. Ça va nous prendre quelques épisodes, je pense, pour pouvoir tout faire avant de repartir sur la suite de l'aventure principale. J'espère en tout cas que cet épisode sur Final Fantasy VII Remake vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.